Donc, tout d'abord, la civilisation, on ne va pas faire un cours d'étymologie, mais rappelons-nous que c'est l'état de conditions de vie, de savoir, de normes de comportement, la vie sociale, la science, et tout cet ensemble s'oppose à la barbarie, la sauvagerie, et donc la civilisation, c'est ce qui nous fait vivre en société. En sachant que l'être humain, contrairement à beaucoup d'autres animaux, ne peut pas vivre en isolement. La vie sociale est absolument essentielle et vitale pour la survie d'un être humain. Et donc, quelque part, la société dépend de chaque individu et ces individus, à leur tour, dépendent de façon vitale de la société. Parmi les sujets qui ont beaucoup retenu l'attention des savants, ça a été l'énigme du déclin et de la chute de l'Empire romain, 410 à 476. Cet empire qui avait pris une vaste partie de l'Europe et l'Afrique du Nord s'effondre progressivement. Et parmi les grands auteurs qui ont écrit à ce sujet, qui ont essayé d'analyser, il y a évidemment Augustin d'Hippone, Saint Augustin, qui a vécu cette chute et qui a été très impressionné par la chute de cet empire laïque et en même temps la montée du christianisme. On en dira deux mots. En France, Jacques-Bénigne Bossuet, Montesquieu et Jean de La Fontaine, qui a beaucoup de verve et d'humour à parler de ce déclin. Un autre auteur que je voudrais citer, c'est Édouard Gibbon. Gibbon a un autre aspect qui nous intéresse ici, c'est qu'il a été, sur le plan linguistique, un maître à penser à Chauvier-Ferry. Chauvier-Ferry a découvert Gibbon lorsqu'il était étudiant au Balliol College à Oxford, et toute sa vie, il avait avec lui une édition de poche de Gibbon, et son épouse dit, il lisait ça le soir, il disait, regardez la beauté de cette écriture. Est-ce que Chauvier-Ferry a été aussi inspiré par l'analyse de Gibbon? Nous ne le savons pas, peut-être que dans les études parallèles, quelqu'un l'étudiera, mais quelque chose d'assez étonnant, quand on lit Gibbon, il parle de cette chute en disant que donc, en 6 volumes, en 16 ans, il a colligé toute l'histoire de la chute de l'Empire romain et il raconte qu'il y a une perte vertu civique et l'essor du christianisme qui était une combinaison létale, fatale pour la civilisation romaine. Ensuite, il dit que cette structure prodigieuse a atteint une telle taille qu'elle s'est effondrée sur son poids. Et puis, étonnant, extraordinaire, Gibbon vient nous dire que les climats avaient changé. Donc il y avait un changement climatique qui était peut-être, selon Gibbon, à l'origine de la chute de l'Empire romain. Alors, quand on compare avec notre époque, c'est assez étonnant. Je ne crois pas qu'il y ait, de ce temps-là, des histoires de CO2, mais enfin, bon. Un autre auteur, beaucoup plus proche de nous, c'est Arnold Joseph Toynbee, 1889 à 75, œuvre en 32 ans, et Toynbee, il aboutit à cette conclusion que la civilisation surgit en réponse à certains défis, une extrême difficulté, et qu'il y a certaines minorités créatrices qui conçoivent des solutions pour réorienter la société entière. Et il dit que le rôle moteur dans la civilisation provient de l'indépendance de tout déterminisme, et finalement il dit que la civilisation s'est définie comme spiritualité active, qui est née d'une cosmogonie explicitée par une minorité dite créatrice. Alors, Toynbee s'intéresse beaucoup à l'afro-barbarie, et il en parle, seulement avec une réserve en disant que l'afro-barbarie est trop administrative et ne met pas assez d'importance sur le rôle des individus. Et en étudiant 23 civilisations, 10 volumes, de 34 à 54, on ne sait pas si Chauvier-Ferry connaissait Toynbee, je ne connais aucun commentaire de Chauvier-Ferry au propos de Toynbee, qui était son contemporain à peu près, et dit qu'il y a un parallélisme entre la Première Guerre mondiale et la guerre péloponnésienne, qui mit fin à la démocratie grecque, qu'il y a une étroite relation entre les religions et les civilisations, et que les religions constituent une colle culturelle nécessaire pour la cohésion des civilisations. Enfin, il dit que la religion est le fondement pour l'élaboration d'une civilisation. Donc, je pense que c'est un auteur qui nous intéresse beaucoup, puisqu'il a une vision proche de la nôtre concernant la civilisation. Alors, plus proche de nous, il y a des auteurs qui sont en train de mettre sur scène une véritable guerre des civilisations.
Ça a commencé avec Paul Vidal-Blache, français de 45 à 18, qui parle des régionalismes, les nationalismes, etc., l'importance. Fernand Braudel, et puis surtout Samuel Huntington, qui, dans son Choc des civilisations, pose la question: est-ce que nous allons assister à une guerre des civilisations entre l'Occident et l'Islam? Et plus près encore, Andrew DeBanco, qui commence à dire que les États-Unis, avec leur philosophie de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, sont en train de se faire croquer parce que votre idéalisme n'est pas partagé par le reste du monde, et tout ça fait suite bien sûr à l'attentat de 11 septembre. Et puis certains auteurs, Jan Bentek Elstein, va beaucoup plus loin et dit qu'on est dans une société où on a mis de côté Satan, pourtant Satan existe. Donc on ne peut plus se défendre, et il dit heureusement, heureusement, alors que la société américaine se détourne de la Bible, il y a les livres de Harry Potter qui vont apprendre à notre génération l'existence du mal. Le mal existe, et il ne faut pas être stupide de dire que ça n'existe pas, et qu'il faut qu'on sache combattre ce mal. Merci. Oui, c'est mieux. Donc, maintenant, je suis chirurgien, on me permettrait de voir la chose d'un point de vue moins juridique, moins administratif, moins structurel, social que certains de mes collègues ici. Ça apportera peut-être une autre lumière. Nous savons que l'ordre, la civilisation, c'est un ordre, c'est une entente entre les peuples. Et cet ordre, c'est quelque chose qui existe dans la nature. Aussi bien dans le monde physique que dans le monde social, il y a ce principe de rassemblement des éléments qui s'appelle l'entropie négative. Donc, on sait que l'ordre n'existe pas de façon naturelle. Lorsque le matin, vous jetez les jouets d'un enfant dans une pièce, il y a peu de chances que le soir, ces jouets soient rangés. Par contre, si vous rangez ces jouets, il y a de fortes chances que les jouets ne soient plus rangés. Vous construisez une maison, ça a tendance à se transformer en pile de briques, mais il y a très peu de chances que les piles de briques se transforment en maison. Ça s'appelle la loi d'entropie. C'est la loi d'entropie qui dit que le désordre est probable et l'ordre est improbable. Il faut un effort, il faut une information, il faut de l'énergie pour fabriquer de l'ordre. Mais le désordre, la destruction, la décomposition, c'est un phénomène tout à fait naturel qui s'appelle l'entropie. Et nous avons une entropie négative lorsque du désordre se transforme en ordre. Alors, on sait que, par exemple, la graine, l'être vivant, a la capacité de fabriquer. Vous plantez une graine dans le fumier se transforme en fleur. Mais nous ne pouvons pas, nous, prendre du fumier, le coller ensemble, faire une fleur. C'est quelque chose que nous ne savons pas faire, mais la nature peut le faire. Et que cette réalité de l'ordre et des désordres est quelque chose qui existe aussi bien dans le monde physique, pour les plantes, pour les galaxies, et aussi pour le monde social. Il y a un parallélisme parfaitement établi dans ces deux. Et Claude Bernard, un Lyonnais, un petit clin d'œil à mes origines lyonnaises, Claude Bernard, dans son livre « Introduction à l'étude de la médecine expérimentale », qui est autrefois programme de physiologie, programme de philosophie pardon, de Bach, il disait que dans les germes vivants, il y a une idée créatrice qui se développe, se manifeste par l'organisation. Les moyens, manifestations physico-chimiques, restent confondus pêle-mêle, comme les caractères de l'alphabet, dans une boîte ou une force, pour aller chercher, pour exprimer les pensées ou le mécanisme le plus élevé. Voilà le mystère de la vie. Le mystère de la vie, c'est qu'est-ce qui fait que les désordres se transforment en ordre. Alors, lorsque nous regardons l'être vivant, prenons l'être humain par exemple, nous voyons qu'il y a une structure d'abord, une structure osseuse. Sur cette structure osseuse, il y a des muscles qui permettent de bouger. Il y a un système vasculaire qui apporte les nutriments. Et puis, il y a un système nerveux qui va faire la communication, la coordination de cet ensemble. Donc, cet ensemble de l'être vivant vit dans ce qu'on appelle une homéostasie, c'est-à-dire que le cerveau, les reins, le foie, les membres et l'estomac fonctionnent en collaboration, en coopération.